toi tu oublies qu'Alexis elle a venu vraiment là. On a informé. Moi je suis au courant. Tu l'avais fait. C'est pas pour avoir fait vraiment là. Moi je suis au courant de ça. Toi et puis vieux vraiment. C'est pas ce qu'elle a dit. Tu m'avais dit. Je t'ai dit que c'est deux parrains. Oui. Non voilà, c'est ça. C'est toi. Chose, il faut voir les tenants et les aboutissants. Mais c'est aboutissant, c'est qui? Non, c'est-à-dire qu'il faut voir les causes et les conséquences. Non, tenant, ça c'est sort de grève. Attends, tu parles quel patois? Patois? Ça c'est au port, oui. Le patois, c'est au port, oui. Où on trouve les animaux là? Non, ça c'est à patois. C'est patois! Non. Bonsoir la mère. Bonsoir. Excusez. Je suis renseignement quoi. Là, c'est vous qui habitez vers derrière l'école libanais là. Oui, c'est moi. Bon, j'aimerais savoir que Karamoro Scooter, il est dans votre cour là-bas là. Quoi? Karamoro Scooter, il est dans votre cour. Toi-même t'as dit quoi? Karamoro. Moi de tes filles, moi tout beau. Karamoro quoi, scooter, quoi, chez moi. Pardon. Je te dis quelque chose, mon mari Seri Grégoire, là, il a deux noms qu'il ne veut pas entendre dans sa vie. Karamogo, vieux Brahma. Si tu ne veux pas qu'il te tue là, même pas prononcer ça là. Bah, mais je sais qu'on ne se comprend pas. Karamogo Scooter là, c'est un nom d'artiste, c'est un artiste. Et puis moi, il n'a qu'à faire quoi? Qu'il soit artiste, qu'il soit quoi, moi, il n'a qu'à faire quoi? Pardon, où est-ce là? Je n'ai pas ton temps, mais c'est pas, il s'est arrêté. C'est pas un natif d'ici, c'est un natif du Burkina. Il est venu pour faire un petit oui ici et puis pour repartir. C'est pas essayer d'arrêter là que tu écoutes, que tu me parles de bêtises par amour au Karamoro. Viens, vraiment. Je devais aller voir quelqu'un, mais je veux que. Tu cries, j'ai failli fuir. Non, 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 je voudrais aller voir quelqu'un, mais je. Est-ce que tu fais ce que je parle? Tu as crié, failli fuir. Faut m'en saluer. Oui, mais non, non, j'ai pas besoin de ça parce que je voulais te poser la question. Faut m'en saluer. Viens, vraiment, sois salué. Non, il faut m'a dit bonsoir. Bonsoir, vieux Brahma. Non, c'est bonjour. Tu devrais me dire bonjour. Bonjour, vieux Brahma. Bonjour, ça va un peu. Ouais, ça va très bien. Et la famille? Ça va très bien. Ça va, et les enfants? Ça va un peu. Non, vous, Brahma, on a qu'à laisser tout ça là. Et tes camarades sont bien. Tout le monde va bien. Toi, Didi, ça va? Oh là là. Didi, oui. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu as pris la plénitude? C'est-à-dire la grandeur de ta déclaration? Oui. Ya, Karamo, ya, yo, compte sur toi. Yo, compte sur toi. Non, si c'est ça, mon gars, faut pas t'inquiéter. Je suis venu pour ça. Yeah. Tu me fais pas confiance. Ok. Non. Donc, je t'avais dit que tu as deux parrains. Oui, oui. Voilà, tu as deux parrains. Donc aujourd'hui, là, on croirait ton premier parrain. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu restes tranquille et puis tu me laisses gérer le reste. Bah, lui, là, je le connais. Il faut savoir le parler. Tu vois, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Si ça s'est arrivé là, moi-même, je ne vais pas parler, mais il faut tout dire. Donc, puis quand tu es sur toi? Non, pas seulement. Ok, il n'y a pas de souci, c'est mon gars. Non. Non, en fait, maman, ce sont mes camarades. Voilà, ce sont mes camarades. Hein? Ah, ce sont tes camarades. Oui. Tu les envoies ici. Mm. Elles dorment ici. Non, en fait, je les ai vues, non. Et puis, ils disent qu'ils cherchent une maison. Qu'ils viennent d'arriver dans le quartier, ils ont personne. Et tu ne m'as pas dit. Aïe, il y a quoi? C'est moi qui ai été frappé. Ils sont en train de te demander quelque chose et puis tu joues au truc là. Et si elles ont eu problème dans la maison, tu vas expliquer à qui? Puis je ne suis pas au courant. Oui. Parce qu'elles m'ont dit qu'ils cherchent quoi. Donc comme ils n'ont pas eu et puis elles les ont vus, en fait, ils me faisaient pitié. C'est pour cela que je les envoie ici là. Ah, c'est bien. Tu les envoies dans ta maison, non? Où ta bête de cochon, c'est pas tu vas m'appeler. Je vais aller. Bonsoir. Comment tu vas? Zono. Ça va bien, c'est bon. Bonsoir, comment tu vas? Il n'y a rien de grave. C'est comme ce qu'il t'avait dit là. Lui, c'est un artiste international. Ouais, il est comédien, humoriste, interprète. Il fait beaucoup de trucs. Tu vois, non? Donc, il vient de faire sa tournée africaine. Donc, sa dernière base là, c'est en Côte d'Ivoire ici.
Donc du coup, comme ici un manager international, il est rentré en ligne avec moi pour que je puisse l'accompagner sur les projets. Donc du coup, il dit on vient te voir aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc lui il s'appelle Scooter. Enchanté. Merci. Bon, moi je comprends pas que je tout ce que tu dis là, c'est quoi, c'est ce que je te disais là. Tu me dis, depuis quand tu me disais que tu parles de lui? Non, tout à l'heure, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça. En fait, tu es le manager. Je t'ai dit que c'est ton parrain, non? Oui, oui, voilà, tu es le parrain. Tu es le parrain de l'événement qu'on est en train de préparer. Ah, tu parles de qui? Moi, je suis ton parrain. Tu es son parrain, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit, non? Tu m'as dit ton, ça. Voilà, c'est ton parrain. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais te venir te présenter l'artiste. Voilà, donc c'est l'artiste qui est là. Vous êtes on en est 5, je crois. Non, c'est on est 6 personnes. Voilà, 6. Les 6 meilleurs comédiens humoristes depuis le Burkina, non? Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, oui. Ta déclaration. Déclaration, c'est pas. Ah, ce que tu as dit à la télé, là, oui. Est-ce que tu es conscient de ce que ça fait? Conscient de c'est quoi? Est-ce que toi, tu as pensé à ce que ça peut faire? Oui. Est-ce que toi, tu vas le faire? Non, est-ce que c'est obligé? Tu sais, il y a combien? Tu sais à combien de jeunes? C'est obligé de faire. Oui, mais tu as dit que tu vas le faire. Tu es obligé de le faire. Comment ça? Ah, je comprends pourquoi il y a certains jeunes qui disent que ça fait 2 ou 3 jours que tu as parlé de ça, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu. Ah, mais toi-même, là, quand tu regardes, là, je vais les donner comment? Ah, mais pourquoi tu as parlé alors? J'ai parlé. Ah, donc comme ça, ça te. Oui, mais. Ça te plaît de dire comme ça des choses que tu ne peux pas faire? Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire, mais je vais les donner comment? Quand toi-même, tu sais la voilà. Comment? Moi, j'allais me poser la question. Comment tu vas leur donner? Ah. Parce que déjà, tu ne sais pas qui est jeune. Jeune, là, ça va de quel âge? Toi, tu n'es plus jeune, je sais. Voilà, Malili. Voilà. Tu Yeri, donc il faut continuer. Voilà, moi, je n'ai rien à dire. Les tournées, tu connais mes mouvements. Non, je sais. Les tournées, là, ça finit en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il ne faudrait pas qu'ils se retournent comme ça. Enfin, toi, tu es un grand. Tu vois, donc, du coup, il fallait que je vienne te le présenter d'abord. Voilà. Donc, voilà ton. Voilà, c'est lui, il est là. Ok, merci beaucoup. Non, on est ensemble. Moi, c'est lui. Toi, tu oublies qu'Alexis, elle a venu vraiment là. On est informé. Moi, je suis au courant. Tu l'avais fait. C'est pas pour avoir fait vraiment là. Moi, je suis au courant de ça. Non, non, moi, non. Il a dit, non, c'est toi qui as mal. Il a dit, c'est toi et puis vieux Brema. C'est pas ce qu'elle a dit. Tu m'avais dit. Il a dit que c'est deux parrains. Oui. Non? Voilà, c'est ça. C'est toi et puis vieux Brema. C'est ce qu'elle dit là. C'est toi qui as mal. T'as pas bien suivi la chose. En fait, normalement, là, toi, ton côté, ça doit être une surprise. Mais comme on a vu concernant le temps, ton emploi du temps, donc il fallait qu'on te le dise. Tu as dit que tu comprends bien là. Moi, je comparais à quelqu'un. Ça doit être une surprise pour moi. Non, mais. Moi, c'est comment toi tu fonctionnes. Ou bien, je sais comment toi tu fonctionnes. Donc, du coup, il fallait que je fasse un petit truc pour toi, juste pour te faire plaisir, quoi. Tu vois. Donc, c'est comment dire, quoi. Tu viens du Burkina. Voilà. Tu es quoi, tu es. Moi, je suis un artiste comédien, donc je fais tout. Voilà, Yeri. Il a fait beaucoup de concerts. Tu vois, non. Même les one-man shows. Récemment, il a fait un one-man show en Tunisie. Voilà, tout ça. Donc, du coup. Comme ça, tout le monde a fini ici là, voilà. Donc, il coup, dit qu'il a fait concert au cimetière. Ah oui, non, ça c'était l'an passé. Voilà. Ça c'était l'an passé. Bon, moi aussi je ne suis pas jeune, mais jeune c'est à partir de quel âge et c'est à quel âge ils sont plus jeunes. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Oui. Tu as pensé à tout ça? Oui. Mais j'ai tout. Ouais. Même si tu as pensé à tout ça, ouais. Est-ce que ce n'était pas mieux de créer des usines? Parce qu'au Fouboyan. C'est quoi? De créer des usines? Pourquoi? Parce qu'au Fouboyan a dit, oui. C'est mieux de. C'est, chaque fois que tu appelles quelqu'un, viens prendre poisson, oui. Le mieux c'est de l'apprendre à pêcher. Si je dis je vais rassembler les jeunes, ils vont aller faire pêche. Toi encore, tu vas dire pourquoi tu l'envoies. Non, je n'ai pas dit de pêcher. Je veux dire quoi, hein? Je dis quoi? C'est un proverbe. Oui. Pour dire, au lieu de dire à quelqu'un, voilà l'argent. Il faut lui donner travail. Comment ça? Comment? Il faut créer une entreprise, ils vont travailler. Encore? Oui. Société? Oui. Pourquoi? Oui, mais là, ils vont travailler. Là, tu n'as plus besoin de leur donner l'argent. Attends, toi, tu veux socialiser le quartier ou bien? La pays, là, tu veux socialiser ça? Pourquoi? On fait société tous les jours. On va passer la carte en société. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas l'argent. On va vous donner l'argent encore, vous dites qu'on a qu'à créer société. Pourquoi? Oui, mais cette manière de donner l'argent, ça ne peut pas aller. On ne peut pas créer société dans ça. On a créé les routes partout, il y a pont partout, il y a routes partout. Mais ça, c'est pas société. Ça, même déjà, même là, tout le quartier est rempli. Maintenant, on va venir créer société encore, ça va remplir le quartier. Maintenant, on dit, viens, on va te donner l'argent, 1 million matin, encore, c'est problème. Non, c'est pas problème. Bon, depuis, tu as dit ça, tu as donné. Pour les jeunes, tu as donné combien de millions? Pour les jeunes, là, ils sont comme Coco. Bon, déjà, tu as donné combien de millions? Quand vous arrêtez, il y a problème. On vous laisse, il y a problème. D'accord. Voilà. Ça a été l'an passé. Ça a duré, hein? Ça a duré, mais c'était bon.
c'était au cimetière. Même. C'était Gbé même. C'est un artiste international, c'est-à-dire il presse partout. Même au cimetière. Il presse partout. Comme lui-même a entendu, il n'a jamais entendu mon nom. C'est ça, sûrement. Non, sûrement. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il y a certains. Mais tu as raison. Voilà. Donc, le parrain, on a mieux pour parler d'affaires. Pour le spectacle, là, tu sais qu'on a fait la communication, on a fait beaucoup de trucs. Les, côté des artistes, c'est déjà propre. Hein. Les logements, il y a déjà pris l'hôtel, tout. Mais là, ce qui est là, il faut un truc de 2 millions pour pouvoir gérer le reste des trucs, tu vois un peu. J'espère que c'est pas des 2 millions, c'est pas dans ma poche, ça, tu vois, je viens. Non, mais tu es le parrain. Non, je ne suis pas le seul parrain. Il y a vieux vraiment, non. Voilà, donc okay. C'est le global qui te dit. Donc toi c'est 1 million, vieux, moi, c'est 1 million. Non, moi, on se connaît pas bien. On se connaît. Ali, il t'a dit que je suis un manager international. Bon, c'est que moi, il peut faire là, il a donné son transfert. Moi, transfert pour l'artiste, hein? Non, c'est mieux non, que ça soit chez lui. Non, mais attends. C'est un conseil. Attends d'abord. Okay. Je suis ton manager. Bon, Ali. Je partais. Pour un manager, pour un artiste international, tu ne peux pas lui donner 5 000. C'est que moi, il peut donner qu'il a. Il ne peut pas. Calme-toi, y a quoi? Donc, tu te fais. Ali. Dans mon âge. Il faut te calmer. Encore une fois, là. On n'est pas au Burkina. Hein. Tu te calmes. C'est moi qui gère tout. Tu te calmes. T'as compris? On voit ton deuxième map. Parrain, ça là. Je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il va faire quelque chose. Ça là, c'est pour boire l'eau. C'est sa manière de voir si appel est sérieux. Ah. Non, il te fait confiance. Il n'est pas des non, il est à cause de ça, mais il suit. Il ne faut pas avoir peur. On est sérieux. On est ensemble. Allez. Parler de la petite là, tu as géré ça. Sérieux même. C'est pas des discours. Regarde, allons. Je suis sauvé. Tu es sauvé, allons. Allons. Tu as donné combien? Rien. Ah, mais voilà le problème. Ah, tu vois? Voilà le problème. C'est ça. Et demain là? Oui. Demain là, ils vont te dire non, ce que tu dis, tu ne respectes pas. Ça fait rien. Ah. Oui, c'est rien. C'est comme ça? Oui. Non, mais c'est pas normal. Comment ça? C'est pas normal. Avant de faire quelque chose, il faut voir les tenants et les aboutissants. Mais ça, c'est aboutissant, c'est qui? Non, c'est-à-dire qu'il faut voir les causes et les conséquences. Non, tenant, ça, c'est ça, je crée. Attends, tu ne parles quel patois? Patois? Ça c'est au porc, oui. Le patois c'est au porc, oui. Où on trouve les animaux là? Non, ça c'est à patois. C'est patois! Non, j'ai dit patois. Mais c'est ça? Non. C'est là où on tue les animaux? Non. Où on tue les animaux, c'est abattoir. C'est patois? Non. Comment non? Mais tu peux pas discuter avec moi. Tu comprends pas, on te parle. Non, tu connais pas. Toi, tu connais quoi? Patois, tout le monde sait qu'on mourit les animaux là. Bon, c'est bon, tu t'écoutes plus. C'est bon. Tu m'écoutes plus? Oui, t'écoutes plus. Ce que tu as dit là, c'est pas bien. Je m'en vais. Non, c'est pas bien. Tu peux pas faire, faut pas dire. Depuis là, les gens attendent, les jeunes attendent. Les gens, c'est qui? Les jeunes attendent. Mais il y a un jeune qui est venu me voir. Mais c'est que parce que lui, il voit pas clair. Pourquoi c'est toi qui va voir? C'est toi qui as parlé. Oui, mais il est venu chez toi. Mon village là, c'est quoi? C'est oui, mais puisque tout le monde peut pas venir chez toi. Il y en a, mais il cherche à venir chez toi, il n'arrive pas à te voir. Moi, je vais prendre l'air, parce qu'il va me surveiller. Ah, tu vois, non. Oui, c'est ça. Hein? C'est fini de déclarer. Hein? C'est fini ça. C'est fini. Mais il faut commencer à donner l'argent aux gens, c'est pas bien. Donner l'argent, c'est pas bien. Il est comme ça pour donner l'argent. Ah, mais tu as parlé de ça? Ah, donc tu nous as blagué, tu as blagué les gens. Et ils cotisent combien? On a cotisé d'abord quand tu as donné l'argent. Ah oui. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il faut bien clarifier. Il faut dire, bon, ceux qui doivent avoir. On va clarifier, oui. Les jeunes, oui, doivent vous donner 1 million chaque mois. D'accord. C'est fini? C'est fini. Maintenant, le reste là, c'est les jeunes qui vont contribuer maintenant. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, je comprends pour toi. On va voir le ministère des Affaires étrangères. On va te donner aussi là. Ah, tu me prends pour un étranger? Oui, mais tu es étranger. Tu es un blanc. Ok, bon, on va voir. Merci.